tous les dimanches, 15h jusqu'à 18h, viens écouter l'émission de Stoned sur Stoned Radio. Au rendez-vous de l'amusement, des fouilles et tous les hits préférés. Bon, on peut retester un. Et c'est Tatane qui parle. Allez, pour une fois, Tatane, tu veux parler? Je veux bien appeler Quick, moi, et leur demander pourquoi plus personne vient chez eux, en fait. Ok, vas-y, tu peux le faire. Allez, moi, je vais chez Quick, moi. Allez, vas-y, donne-moi le numéro et j'appelle. Ben, en principe, il est écrit, regarde. C'est bon, Quick. Il est où? Attends, mais... Dans la conve. Ah oui, Quick, ok. Donc, je vais sur le site de Quick. Mais j'espère... Je regarde la conve et c'est tout. Mais c'est pas 08. Attends, mais non, j'en ai un de Quick. Tu vois pas, là? Mec, hein, tu veux un Quick? J'en ai un, là. Ah, vas-y. Là. Ah, je c'est... crois que c'est Quick, hein. C'est Quick, ok. Tiens, je prends ma fiche, voilà. 04. Voilà, voilà. Donc, toujours à l'antenne. Lost, ah, pendant qu'on prépare les. Ah, c'est un 6 ou un 7 enfin, c'est un 6. C'est 6, 7. J'ai écrit à l'arrache, peux voir. Ouais. Montre. Non, c'est 6, 8. Ah, c'est un 8. Ouais, je sais, j'ai écrit à l'arrache, mec. Nicolas écrit très mal. Non, non, attends, j'écris super bien, mais là, j'ai écrit à l'arrache parce que j'étais pressé, quoi. Donc, voilà. Tatane, c'est tout à oui. toi. Eh ouais. Très bien. Je joue. Ah ouais, carrément quoi. Oh, allez, on s'ambiance sur Stoned Radio. Putain, merde. Allô? Oui, allô? Vas-y. Allô, bonjour madame. Oui. Oui, ici Jean-Patrick Roger du Stoned, en fait, c'est un journal, je suis journaliste. J'aimerais vous poser une question à propos de vos établissements Quick, si vous me permettez. Non, vous appelez notre siège social, ils vous répondront à vos questions. Je ne peux pas vous poser de questions à vous. Non. Bon, je vais le faire quand même. Pourquoi personne ne vient chez Quick? Parce que j'ai peut-être des gros cons qui font que me casser les couilles. Hein. Oh. Une question à vous en tant qu'employé. En tant qu'employé, bah, en fait, j'aimerais pas embaucher des gens comme vous. Le temps passe très bien. Ah, bah, je vais pas venir non plus, y a pas de problème. Non, mais est-ce que vous faites pas chier? Ouais, parce que doit y avoir pas grand monde. Ben non, ça va, je me fais pas chier là. En fait, je suis en train de travailler jusqu'à ce qu'un abruti m'appelle pour me faire chier. Donc, souvent, c'est des gros connards, hein, je les connais. Ouais, mais je m'en doute. Et sinon, ça va la vie à Quick? C'est vrai que les boissons sont gratuites? Bah, si tu payes un verre, c'est possible, oui, après. C'est super. Et, bon, bah, j'espère que vous avez vendu du whisky, écoutez, hein, ça peut faire remonter les ventes. Si je peux vous aider, hein, vous savez, Jean-Patrick Roger, hein, il a une grosse carrière, hein, voilà. Patrick Roger, une grosse carrière d'abruti. Je comprends bien. Sur ce, il prend pour son grade avec vous. Je pense que vous n'êtes pas fan de Jean-Patrick Roger. Non, je suis pas fan du tout des gens qui m'embêtent en fait. C'est surtout ça. Ah, mais je vous embête pas du tout. Mais voilà, parce qu'il y en a qui ont un boulot. Et puis vous avez accepté que je vous pose une question, madame? Non, mais non, il y a des glandeurs qui sont. Il y a des gens qui travaillent. Hein? Mais c'est un peu honneur, mais. Je suppose de journaliste à. Je voir les clients. C'est qui veut parler à un abruti au téléphone? Bonjour. Ah oui, passez-moi tout le monde là, on va savoir s'ils sont aussi déprimés que vous. Ouais. Elle a plein de tatouages à vous répondre à toutes vos questions. Ah bah écoutez, y a pas de problème, ah, on est là. Beaucoup. Vous avez de la patience, allez, allez, allez. Putain. Attends. Bon, je vais pas te couper là, il travaille. Voilà, moi aussi, ça m'arrange. J'en fais très creux, j'ai voulu la trouver ce nom. Bon. Attends, elle est toujours là? Le journal il sort demain, il sort pas dans 6 mois là. J'ai pas commandé un burger chez Quick, hein, dépêchez-vous. Tu parles français? Allô? Ouais, je parle français, ouais. Ah merde, c'est bien! Je vais peut-être pas aller à l'école. C'est marrant. Le journal il est je connais. Hein. Et toi, t'as fait quelle étude? Futur directeur. Allô, monsieur? Allô? Ouais, allô, monsieur? Oui, bonjour le futur directeur. J'aimerais vous poser une question non, par rapport à votre établissement. Oui, voilà, exactement. Je me suis pas présenté, je m'excuse. Ici Jean-Patrick Roger du journal Le Stoned. Ah, le journal Le Stoned. Ouais. Oui. À ton école de... Oui, journal télévisé. Non, je déconne, juste papier. Presse écrite. Bon, à Quick, on vend pas beaucoup de burgers, mais on rigole bien. Ah, là, on rigole bien, ouais. Est-ce que vous m'entendez, Le Stoned? Ici, Le Stoned. Ah non, en fait, ils répondent pas parce qu'ils sont en train de faire des burgers pour des clients imaginaires, là, c'est pour ça. Bon, on va vous dire quelque chose, hein. Est-ce que vous nous entendez toujours? Ouais. En fait, pour vous dire que on est en direct sur Stoned Radio. Ouais. Oh non, putain, attends. J'ai fait saturer le micro, quoi.
Mais il fallait une musique là, c'est, ça, ça passe pas comme ça. Bonjour, allô. 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 Putain, mais ça, ah, elle a posé le téléphone, la fameuse technique. Ah oui, la fameuse technique. La fameuse technique du je te laisse tranquille. Enfin, je te laisse tout seul. Mmh. Bah, bon. De toute façon, c'est bien parce que le mec que j'aurai appelé Quick, comme ça, il pourra pas. Donc leur seul client, bah, non, mais je crois qu'ils ont plusieurs téléphones. Jean-Patrick Roger, qu'avez-vous à nous dire sur Quick? Qu'avez-vous à nous dire sur Quick? Bon, bah, résultat de mon enquête, je pense que j'ai pris pour mon grade et que je n'irai plus chez Quick. Hein, voilà, exactement. Eh bien, merci, tu peux raccrocher. Ok, allez, au revoir, Quick, et merci pour ce petit canular. Nous, c'est le goût. On vous aime, Quick, ne vous inquiétez pas, on n'a rien contre vous. Allez, kiss. Jean-Patrick Roger reviendra, hein, si vous le souhaitez. Ah ouais, quand même, attends, il est important. Putain, franchement, tu m'as tué, mec. Franchement, ouais. Tu t'es gavé pour le. Bravo, bravo. Je m'attendais pas. Alors, sur les dédicaces, n'hésitez pas. Surtout, Madame Quick, hein, elle est vraiment cool. Hein. J'ai bien rigolé, quoi. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les dédicaces.